Mais celui-là n'abandonne jamais. Celui-là n'abandonne jamais. Je vais entendre le cri de joie. Il peuple Jésus, nous peuplons Jésus, nous peuplons Jésus, nous peuplons Jésus. Alléluia, laissez le Père pour que vous bénisse. Merci. Nous allons rapidement à la parole de Dieu. Ce frère, notre soeur, nous a amené vraiment encore pour voir qu'il ne faut pas négliger Dieu. Tu peux négliger quelqu'un dans la vie. Tu peux négliger, mais ne néglige pas Jésus. Amen. Merci encore, Éternel, désormais. Je vais parler devant ton peuple. Je sais bien que c'est toi qui parles, c'est le Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus. Je suis prié. Amen. Amen. Je dis, Jésus n'est pas. Je ne sais pas comment je peux dire aujourd'hui. Si chacun commence à dire ce que Dieu a fait dans sa vie, alléluia, nous allons prendre même une semaine. Prêt, papa, si Dieu n'a pas encore fait ce que toi-même, je te dis la vérité, toi-même, nous sommes arrivés au moment où il faut prêcher vraiment la vérité. Alléluia. Il faut vraiment prêcher ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas de falsifier la Bible. Ce n'est pas, oh, comme tu donnes l'argent, oh, comme tu fais des choses, tu achètes des instruments, je fais des glorifiés pour te lancer. Ça ne sert à rien. Nous doutons, nous allons aller à l'enfer. C'est le moment les gens qui sont convertis, les gens qui donnent leur cœur à Jésus. C'est ce que Jésus fait. Alléluia. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit de Balouba. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Bangalore. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Camerounais. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Bazongo. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Bangombe. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le maçon. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le péché. Où tu as le Saint-Esprit? Où tu as l'esprit de tes ancêtres. Alléluia. Alléluia. Le frère Exaucé peut venir rapidement pour nous lire la première lecture. Puis nous allons nous tous s'élever, mettre debout pour écouter la parole. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça le moment. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas envoyés. Si la Bible dit, c'est qu'il y a des prédicateurs qui ne sont pas envoyés. Mais la Bible nous dit, comment croyons-nous si quelqu'un ne parle pas? Le prédicateur, ce sont les gens qui prêchent la parole. Pour que les gens écoutent la parole. Mon thème d'aujourd'hui, c'est écouter la parole, mettre en pratique, puis se convertir. Oui, mais... C'est ça, là où il y a un grand problème, c'est ça. Oh, yes. Écouter la parole, mettre en pratique. Ce n'est pas le moment de seulement théorique.
Amen. On commence à voir des problèmes avec le prédicateur. Tu commences à fuir la parole de Dieu. Amen. Mon frère, je te dis la vérité, ne fuis pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous ne sommes pas là où on dit ne fais pas ce que j'ai fait, mais fais ce que j'ai dit. Mm-hmm. Ici, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Dans l'église des réveils, ce n'est pas ça. Apôtre Paul dit, quand je vis, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Ce que l'apôtre Paul a changé automatiquement. Amen. Il a cru Jésus, il met en pratique. Ce n'est pas fais ce que je dis, mais ce que je fais, ne fais pas. Non, non, non. Ça, c'est très dangereux. La Bible nous dit, en Actes des Apôtres, 20, 28, qui a trouvé la Bible? Actes des Apôtres, 20, 28. La Bible nous dit, merci. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Évêque pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Voilà comment la parole de Dieu commence. Toi d'abord qui prêches la parole de Dieu. Il faut d'abord se convertir. Oh yeah. Alléluia. Il y en a beaucoup de gens qui veulent prêcher la parole de Dieu, mais lui-même, il n'est pas converti. Ça, c'est dangereux, je vous dis. Ça finit bombe ratée, retardée. Tu prêches la parole, toi-même, tu dois le faire, l'obéir à pratiquer. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui changent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il commence à toi d'abord et à tous les troupeaux. Alléluia. Amen. Tu es chaud ou bien tu es froid? Chrétien. Chaud ou bien froid? Amen. Oh yes. Quand l'apôtre Paul disait c'est apôtre de parier, il faut avoir des révélations pour comprendre ce que l'apôtre Paul disait. Tu peux aller chercher le païen, mais tu ne peux pas faire ce que le païen fait. Amen. J'appuie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas rentrer quelque part directement, tu as le péché. Non. Moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand je vous dis, si tu as un sceau de Dieu, le Saint-Esprit, même les païens, ils ont peur de toi. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a mon petit de quartier, vous les connaissez, il était ici. Il m'a vu, nous étions vraiment tout près, en face. Les gens qui connaissent ici, c'est Maman Anto. Parce que Maman Tola, elle est le même cachet chez nous. Parce que son mari, c'est vraiment mon ami. Alors, mon petit là, il a commencé. Ah, papa, toi tu mets donc tout le temps de l'argent, tu me vois, tu. Vraiment, tu. Oh, papa, tu voulais te offrir quelque chose. Moi, il dit quoi? Oh non. Lui-même, il a commencé. Hein? Toi, tu rentres pas ici, hein? Parce que je voulais t'offrir quelque chose. Moi, il dit, qui t'a dit? Moi, je ne peux pas rentrer. Il m'a regardé comme ça, mais je peux rentrer. Mais je sais ce que moi je dois voir. Amen. Quand je suis rentré, je vous dis la vérité, il y avait des gens dans la piste. Vous connaissez les danses là, les Vimba, si c'est le Congo, si c'est quoi, je ne sais pas. C'était dans la piste. Mais j'ai vu des gens fouiller pour aller aux toilettes. Je ne cite pas les noms. Ils ne sont pas d'ici, mais vous les connaissez bien. Ils sont venus des crédits. Oh, le petit a dit, passe, Bakini.
Oui, pas qui me comprenait. Eux, ils avaient des rêves là-bas. Mais là, qui? Ils sont fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti, c'est lui-là, il n'est pas de nous. Amen. Alléluia. Tu peux aller les voir, mais tu ne vas pas faire ce que eux, ils font. Amen. C'est ça un grand problème. Nous n'allons pas les fouiller. Allez, mais ne fais pas ce que eux, ils font. Amen. Tu peux faire plaisir à qui? Au païen? C'est très dangereux. Oh non, donne-moi un père, un verre, un petit verre. Je vous dis la vérité, ça voulait sortir lundi. Tout le monde liège. Tout le monde n'écoute pas ça. Un verre. Voilà. J'ai pris tonique, deux toniques. Quand on a fini, on nous connaît, hein. C'est vrai, les enfants de Dieu, mais faites attention. On vous connaît. Quand tu parles déjà de Dieu, on vous connaît. Amen. Il y avait beaucoup de mamans là. Les mains comme ça. Pasteur, pasteur. Oh, il est petit. Il est petit. Il est petit. Dit, ah, quand je voulais sortir, ah, pour me laisser rapidement. Pasteur, tu es mal à l'église, église. Tu vas y aller. Comment tu vous as arrêté? Voilà. Mais un jour, Dieu va les toucher. Amen. Apôtre Paul, quand il disait apôtre des païens, il ne va pas aller faire ce que les gens font. Non. Lui, il va montrer ce que lui, il a déjà changé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut faire attention, mon frère. La Bible dit, quelque part, la Bible nous dit, nos péchés sont des crimes. Quelque part, nous sommes des criminels. Amen. Mais quelque part, nous devenons des criminels. Si on dit que les crimes, ce sont des criminels. Donc, un jour, nous allons aller au jugement. Après le jugement, on est allé au cachot. Mais c'est clair, après le cachot, on connaît l'histoire, c'est l'enfer. Après. Alléluia. Ce n'est pas le moment de flatter les gens. C'est le moment de dire aux gens la vérité qui va amener au ciel. Alléluia. La Bible nous dit, on va lire ça après. J'avais lu à 2, à Corinthiens, mais nous allons lire après. La Bible nous dit, il y a des faux docteurs. S'il y a des faux docteurs, c'est qu'il y a des faux pas. S'il y a des faux pasteurs, c'est qu'il y a des faux prophètes. Non, maman, aucun nom. Est-ce qu'on peut acclamer? Maman, aucun nom. Aucun nom, aucun mal, aucun mal. Oh, moi. Voilà, ça, ce sont des révélations. S'il y a des faux évangélistes, il y a des faux. S'il y a des faux prophètes, il y a des. Pas de signe à la blague. Il y a des faux docteurs. S'il y a des faux docteurs, il y a des faux. Pasteur. Hein? Pasteur. C'est tout un gars. Évangéliste. Mais s'il y a des faux évangélistes, il y a des faux diables. Mais on descend. S'il y a des faux diables, il y a des faux anciens. Mais s'il y a des faux anciens, il y a quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de moi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de moi? Je vous dis la vérité. S'il y a des faux, il y a aussi des faux frères. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible nous dit, il y a des gens qui se nomment eux-mêmes frères. Mais il n'est pas frère. Papa, prends rapidement parce que je veux parler avec les appuis des écritures. 2 Corinthiens 11.
13. Livre des Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des oubliés trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Continue. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de Dieu. Alléluia! Satan lui-même déguise en ange de lumière. Je vous dis la vérité, il parle mieux. Les faux là, il parle mieux. Il parle un mot français, même un mot anglais, même si c'est allemand, il parle très bien. Mais en dedans, ils sont des faux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Amen. S'il y a des faux diagonales, il y a des faux. Anciens. S'il y a des faux diables, il y a des faux diagonèses. S'il y a des faux diagonèses, il y en a des faux fidèles aussi. Alléluia. Amen. Chrétien, où sommes-nous? La Bible dit, parce qu'il y en a des gens qui veulent compliquer les écritures. Il veut falsifier. Il veut changer un peu. Si tu vois un chrétien qui marche dans sa bouche pour dire ne jugez point, ne jugez point, il faut faire attention. Celui-là, on le connaît partout. Amen. On le connaît. Là où il y a les drogués, il est là. C'est pour cela que tu ne peux pas le juger. Chrétien, tu dois les juger. Amen. Et jugez bien. C'est le langage. On attendait ça fait longtemps. Frère, tu peux me juger? Dieu a dit ne me juge pas. C'est Dieu qui va. Dieu va te juger. C'est pour cela que Dieu, il te juge déjà. Parce que tu as des souffrances. Amen. Oh yes. Amen. Dieu te juge déjà. Parce que tu as des souffrances. Amen. Alléluia. La Bible, quand il dit, il fera la différence entre les gens qui croient. C'est Dieu qui va venir faire la différence, ou bien c'est toi-même qui va faire la différence. Alléluia. C'est toi-même qui va faire la différence. Tu rentres quelque part, tu dis que moi je ne fais pas ça. Moi je ne peux pas faire plaisir aux gens. Moi je ne peux pas faire plaisir à ma famille. On fait plaisir à Dieu. Entre les gens qui parlent de où? Dieu descend seulement pour faire la différence. Même là, si il y a des péchés, il y a tout. Dieu vient pour faire la différence. Non, quelle différence? Non. Toi-même, commence à faire le Dieu. Toi-même, commence à faire la différence. Comme moi, dans ma famille, il connaît les gens. Si je viens déjà dans les fêtes, il sait bien. Il ne va pas commencer à mettre la musique de mots. Il connaît. Quand tu sors, c'est le mot de la porte. Ah, bon, c'est vrai. Parce qu'il sait bien celui-là. Il allait laisser. Toi-même, il commençait à faire d'abord la différence pour que Dieu commence à confirmer. Dieu va confirmer. Quand il va commencer à confirmer, il commence à te donner ce que tu mens. Amen. Parce que toi-même, tu fais la différence. Jésus a dit, vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que vous avez compris cette révélation? Alléluia. Quelle différence tu veux faire? Tu rentres dans les fêtes, un païen là, avec Jack et Daniel. Vertu au temps. Toi aussi un chrétien. Parle. Mais t'as pas fait Jack. Ah! Qui Jack tchoui? Qui Jack tchoui?
Après, on a tué le Saint-Esprit. Jamais. Si on avait le Saint-Esprit avec des drinks là, mais nous avec les diamants, mais on voulait faire des églises, nous. Quel Saint-Esprit peut habiter en toi quand tu es sous? Jamais. Quand tu voles, jamais. Alléluia. Amen. Dieu fera la différence. Là. Non, c'est toi qui vas commencer à faire la différence. Amen. Si tu as ton mari, pour que ton mari commence à changer, il faut qu'il voie. Toi-même, tu commences à changer. Amen. Là, c'est le Dieu qui va venir le toucher pour qu'il change. Amen. Toi, tu ne veux pas changer, tu dis à ton mari, il m'a aidé à changer rapide. Toi, commencer à changer d'abord. Oh pasteur, aujourd'hui, oh c'était bien. Mais le jour du prêche, oh le péché, oh, il part quand même de dire au revoir. Qu'est-ce que moi je dois faire si je ne prêche pas la vérité? Je vais aller en faire. Parce que toi-même, tu sais que l'affaire là, je dois aller à la faire. Mais tu veux prêcher les gens pour que les gens aillent au ciel. Mais c'est pas correct. Non. Imoune. Tout le monde est imoune. Voilà. Imoune. Ce n'est pas le moment de falsifier les gens. Ce n'est pas. Quand on dit qu'il y a des faux d'abord, commencez à chercher les faux. Si il y a le Saint-Esprit, Dieu va les montrer. Ça, c'est un faux frère. Ça, c'est un faux pasteur. Ça, c'est un faux gars. Ça, c'est... Il va te montrer. Alléluia. Alléluia. J'avais suivi à la télé. Il y a un pasteur qui a parlé. Dis-moi, vol. Il y a des prédications, des pasteurs qui prennent seulement les dîmes au vol. Donc des voleurs de dîmes. Il y a des pasteurs qui prennent seulement offrandes au vol. Alléluia. Ne parlez pas de ça. Commencez d'abord à parler les gens des fruits des péchés. Ça, c'est tous les vrais prédicateurs qui sont envoyés. C'est lui qui est envoyé. Il a peur. Amen. Il a peur de rentrer à la vérité. Il va prêcher la vérité. Même si on reste deux, je prêcherai la vérité parce que la Bible dit, si seulement un seulement, et au ciel, il y a une grande fête. Amen. À quoi donc de prêcher pour dire non, Dieu va, je peux aussi faire ça. Je peux faire comme les faux prophètes, je peux faire. Mon malice. Oh là là, je vois beaucoup de choses, mon malice. Ma malice. Ah, tes enfants sont grands. Oh, ma malice. Mais ne pleure jamais. Je vois le ciel au fond de toi. Je peux aussi servir. Mais ce n'est pas ça. Avant, ma malice elle-même qui voit les choses, c'est à elle-même de comprendre que moi je sers un Dieu. Amen. Le Dieu que moi je prie, il est capable de me faire des choses sans que le pasteur me dise. C'est ça la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller juger des païens. S'ils boivent, laisse-le. Tu peux inventer pour aller dire, hey, pourquoi vous buvez? Non. Pourquoi? Mais maman, soeur, je ne sais pas. Ça va, c'est ça? Ça va. On aura des fêtes ici un jour. Des gens qui vont marier, on verra. Nous sommes là vraiment pas des chrétiens. On va voir. Ça va, c'est ça? Ça va. Hé, face à face.
les vins. Et maintenant, nous les chrétiens. Lève. Parce que... je vous dis la vérité. C'est la Bible qui dit, nous allons lire, les faux frères. Parfois, tu ne sais pas qui est faux frère. Tu ne sais pas. Parce qu'il y en a des gens qui ont des maladies. Maladie du péché. Le péché, c'est comme une maladie. Le péché mignon, c'est ça. Il faut les traiter. Qui peut les traiter? C'est seulement Jésus. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'homme de ce monde. Confie-toi à Jésus. Il va te traiter. Faisons la différence d'abord, nous d'abord. Nous d'abord, faisons la différence. Comme ça, Dieu, il va descendre avec son esprit pour confirmer. C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Fredila, tu peux nous prendre. Des prédications comme ça, si devant le pasteur, devant les thés, oh, ils vont commencer à fâcher directement. Pourquoi tu parles de choses comme ça? Alléluia. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Parce que du Dieu qui m'a appelé, j'étais nulle part. J'étais au-delà des sous. Moi, j'ai des amis qui ont vraiment des noms connus. Moi, j'ai des amis. Mais je ne peux pas les suivre pour aller faire ce que moi j'ai laissé. Un jour, mes amis, ils étaient venus dans mon 50 ans d'âge. Ils sont venus. Ah, mais je sais bien que. Parce que toi, tu as changé, mais nous, on voit. On dit, mais ça ne demande rien, mais moi, j'achète pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont acheté bouteille de Jack. Ils ont mis ça dans le coffre. Le petit qui l'a accompagné, l'enfant, quand il a déposé directement, pouf, il a tourné, il est parti. Il faut voir les gens comment ils plairent pour le Jack d'année. Il était là, ah, pas ça. Bon, trop. Il m'a dit, oh, Jack est gay. Ah, ouh, mais pitié, là, j'ai eu non. C'était dans le coffre. Maman me mettait là. C'est pitié. Oh, maman, on n'a pas l'appétit sans Jack. Maman, il a préparé les gens. Des bonnes choses, du fumbois, des macaillards. Dit, maman, ils ont fait l'effort de chercher le petit là. Il est parti là, fermer même le téléphone jusqu'à 23h. Ils sont partis prendre les jacks. Regarde, ils n'ont pas touché à manger. Quand ils ont commencé, tu vois, nous sommes sortis. Il a dit, ah, pasteur, vous m'avez pas vraiment déjouté. Mais on n'a pas les mains. Moi, ah oui, non, j'ai laissé Niet. Directement, ils ont pris les mochoro. Vous connaissez les mochoro? Les diables, ils ont mis les chambres devant moi. Devant moi. Moi, j'étais là. Mais ta coco, ça n'a rien. Ils ont mis des âmes, ils ont mis des âmes, ils ont mis Dieu. Mais je n'ai pas peur de vous. Mais je ne peux pas. Mais regarde maintenant, quand ils ont fini, les enfants, ils ont entendu tout. Ils sont devenus comme des enfants. T'attends la plus longue ta mère, ça va dire. Ça, c'est les choses que tu peux dire aux enfants. Amen. Mais moi, je le sais. Toi, viens, laisse. Amen. Mais il me fout maintenant. Alléluia. Il me fout. La Bible dit, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Ne fais pas, oh, je fais ça, oh, la famille. Tu vas la famille, sinon la famille. Non. Non et non. Un chrétien, tu sais, hein, ne fuit pas l'église quand on prêche le péché. Je vous dis la vérité, c'est une bénédiction. Amen. Moi, j'avais fait un reportage, parce que celui-là, on va le présenter après. C'est vraiment, si tu es papa, il faut avoir aussi des enfants, des enfants. Amen. Il y en a des papas qui n'ont pas des enfants spirituels. C'est dangereux. Hein. J'ai mes enfants. Alléluia.
J'ai essayé de filmer le chanvre. Tu vois, quand tu viens à Dieu, c'est pas facile. J'ai essayé de filmer. Alors, quand je venais pour aller jouer à l'église, je sentais comme quelque chose qui disait, si tu rentres dans l'église, tu vas devenir fou. Oh, j'ai démagé hyper. Je suis rentré, je ne suis pas venu à l'église. Quand le pasteur m'a cherché le jour suivant, j'ai dit carrément, pasteur, j'avais touché encore. C'était mon ami Bokul qui m'a dit, ah, j'ai senti vraiment, j'étais devenu comme un enfant. Parler ça devant l'église, devant les mamans, les enfants malades. Alléluia. Aujourd'hui, les gens blaguent avec le chant de Dieu. Nous, on avait eu le chant de Dieu, les enfants malades. Comme le roi David, David a fait les publicités. David s'est répandu et il a pleuré devant l'église. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui font des grands dégâts, des bêtises, des pédophilies. Ils ne demandent même pas pardon. Les choses ont changé. Moi, j'étais là devant les gens. Alléluia. Amen. Pardonne-moi. Parce que j'avais filmé encore du chant. Papa, mon gars, Katikango. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir honte de Dieu. Amen. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Depuis ce jour-là, Dieu vraiment m'a délivré. Amen. Alléluia. Amen. Je sais bien les gens. Nous sommes ici. Nous sommes ici, ça c'est normal. Les gens qui trouvent, c'est normal. Je n'en disconviens pas. Nous allons lire un chapitre pour vraiment bien insister. Parce que les gens, quand on avait commencé, nous les chrétiens, nous avons sauvé avec les sangliers. Les malamons, quand on disait ah, sangliers, ça nous donnait un peu le goût là, les pévins. Parce que les vrais chrétiens, ils ont passé tout de ça. Là. Maintenant, il y a des choses qui ont commencé à changer. Un peu de vin pour le cœur. Tout le monde n'a pas le cœur. C'était Timothée. Le docteur dit un verre de vin. Ça va. Si tu veux un verre de vin en mangeant, c'est toi. Mais comme on a dit, le faux pasteur, faux pot, si tu prends un verre de vin après avoir mangé, tu finis à manger. Tu ajoutes encore un. Tu continues encore un. Tu continues sur un. Là, ce n'est pas encore. Ce n'est pas un verre de vin. Je vous dis la vérité. Il faut faire attention. Il y avait un pasteur qui était venu prêcher avec une mouilla. Oh, prêcher. Oh, Seigneur de Dieu. Je veux. Il a fait. Donc, je vous dis la vérité. L'église était chaud. Maintenant, il y a un frère qui l'a invité. C'était un faux frère. Le pasteur était venu. Bien sûr, la maman dit, oh, pasteur, je t'invite à la maison. Viens les manger. Le pasteur était venu, toi. Le frère était là. Regarde, pasteur. Il commence à regretter, dit, pasteur, je m'excuse. Moi, avant de manger, il faudrait faire des vins. Tu connais, dans les gens, il y a des choses qui font vraiment des bars. De bar à la maison. Vous connaissez non? Donc il y a tout. De whisky, de Jack Daniel, décoration. Le frère avait ça. Et quand il est passé, il faut dire qu'il est faux pasteur ou le vrai pasteur. Il a été dégoûté. Pasteur, ça on met ça. Regarde, pasteur. Bordeaux. Ça va. Le pasteur a dit Bordeaux. Le frère avait peur. Il dit que oh, ça c'est un homme de Dieu. Au larmes, ça a un problème. Il a mis un verre. Le pasteur, pas, il a vu. Il a mis. Le frère a dit eh bien. Il a fermé la porte. Ils sont passés à table. Ils ont commencé à manger. Le frère mange comme il mange. Il mange, il boit, il mange. Il voit le passé. Il ne parlait pas. Il dit,
Le pasteur aussi, Tio. Encore. Le pasteur aussi, bon. Ils ont fini des bouteilles. Qu'est-ce qui s'est passé, vous, les mamans? Il est où? Il a bien prêché. Il est passé. Le moment, ils ont suivi le pasteur. C'est le frère. Toi-même, donne la réponse. Est-ce que le frère va ouvrir la porte? Non, c'est scandale. Le frère va ouvrir la porte? Pis, son aide, pis. C'était passé à Verville. Histoire, frère. Pis, pis. Le frère voit. Ah! Tout le monde de l'église. Pasteur. La maman est église. Maman est église, ça, ouais. Voix, même la voix est partie. La voix est partie. Église, je suis dit, ça dit, t'as la couronne, maman. Oui, mais vous connaissez quand même les trucs. Ouais, c'est pas nous. Dans la diawa. Au fond, on a témoin, on a l'obé, ça, bam, il a son remède. Maman, on a l'obé. C'est la langue. Non, on a l'obé, on a l'obé. Non, on a l'obé, on a l'obé. Ben, ça, on a l'obé, on a l'obé. Voilà. Est-ce qu'il a sauvé ses frères? Le frère là, ce sont des histoires vraies. Comme il c'était un faux frère, il a commencé d'abord à abuser à ses enfants. Écoute l'histoire. Mais le pasteur là, je vous dis, il est mort. Ah, il est déjà mort. Mais je ne cite pas les noms. Parce que les gens des Aïmala, vous les connaissez. Il était mort comment? On l'a trouvé à la chambre avec une autre femme. Mais il était marié. Il était mort à l'hôtel. Ne blague pas avec Dieu, mon frère et ma soeur. Je sais bien. Si Jésus vient aujourd'hui pour aller faire des tours dans des maisons, il y en a des gens qui ont dit, Jésus, attends un peu. Je vais aller arranger la maison. N'importe que Jésus peut trouver, je te dis ma soeur, ouvre ton cœur. Si tu sens quelque chose qui te dit de boire, parce que quand tu bois déjà, je vous dis la vérité, le Saint-Esprit n'est pas là. Ça te donne beaucoup de choses, ça ouvre beaucoup de dégâts. Amen. Nous allons lire, ce n'est pas moi. Papa Mila, prends. 1 Corinthiens 5. À partir du verset 11. Livre des 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 5, verset 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide ou idolâtre. Ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. Ivrogne, ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet en juger ce du dehors, n'est-ce pas ce du dedans que vous avez en jugé? Voilà! Ne jugez point. Voilà! Les gens de dehors. Ce qu'il peut faire, il peut faire ce qu'il fait. Mais nous ici, si vous voulez, vous pouvez faire. Nous allons vraiment les diacres, les représentants. On prend Papa Willy, Papa Philo, Papa Mila, Papa Lee. Nous allons à Onassis. Nous asseyons là. Nous tous nous demandons de l'œuvre. Dimanche, vous allez voir ce qui va se passer ici. Je vous dis la vérité, vous allez voir. Hein? Scandale. Ah, le moment, mon casse. Scandale. Eh, il m'a bien, il m'a bien, il m'a scandale. Pourquoi il y a des scandales? Parce qu'il ne juge point. Pourquoi c'est des scandales? Nous sommes mis à part.
Les publicités? Comment draguer ou bien quoi? Il y en a. Mes enfants, ils ont vu beaucoup de pasteurs. Papa, il vient derrière moi. Pasteur, venez à l'église. Ah, t'es gaga, moi, boum. Ils sont là. Mais les gens, avec les noms qui sont élevés, regarde. Quand la Bible dit qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux diables et les faux frères. Mais tu vas démérer jusqu'à où? De rester toujours faux frères. Il faut changer. Quand tu écoutes la parole, tu entends la voix de Dieu, change, maman. C'est une bénédiction. Ne laisse pas Satan jouer avec toi, Seigneur. C'est vraiment, c'est pitié. Ne les laisse pas. Faut pas être scandale aux gens. Oh. Et je ne sais pas, ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Les chrétiens ne veulent pas aussi abandonner. Non. Toujours les choses de Dieu. Oh, Dieu comme ça, Dieu comme ça, Dieu comme ça, Dieu. Mais abandonne, parce que tu ne marches pas bien. Personne n'est saint. Mais apôtre Paul dit, faisons l'effort de marcher par l'esprit. Celui qui marche à l'esprit, il va faire la volonté du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais peut-être terminer par là. Je vous dis la vérité. Ne faut pas avoir peur. Ne faut pas avoir honte. Il y a beaucoup de choses qui partent avec beaucoup de systèmes. Dans le nom de Jésus, qu'on chasse quoi? Les démons. C'est ça, non? Dans le nom de Jésus, qu'on chasse les démons. Mais un jour, les apôtres, ils sont partis pour chasser les démons. Ce n'était pas dans le nom des apôtres, c'est dans le nom de Jean, de Jésus. Mais les démons ne sont pas partis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a des choses, certaines démons, il faut vraiment les préparer pour qu'ils puissent partir. Il y a des choses, quand toi-même, tu les caches, c'est très dangereux. Essayez de parler. Essayez de parler, les gens, tu as mis confiance, parle. Moi, oui, j'aime Dieu, mais il y a quelque chose qui me tourmente. Dieu fera. Amen. 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 Est-ce que on a écouté la parole? Amen. Et ça passe pour la boutique. Mais je vous dis la vérité, il y a des gens qui ont laissé. Donc si les gens, ils n'ont pas laissé, c'est que tout le monde sont les faux. Non. Il y a aussi des biens. Faisons les faux. Ne fais pas plaisir aux gens. Amen. Amen. Nous sommes exposés partout là où on parle. Exposés partout. Nous étions dans les fêtes de notre bien-aimé. C'est tout quoi là? Hein? Témoignez-je pas. Les frères étaient là-haut, pasteur. Oh, sois béni. Il accueille les gens. C'est toujours le nom de Jésus. Mais quand ça balançait dans la piste, les frères étaient aussi. Vima, Fouma. Oh, nous tous on rate pour Vima. Petit, tu vas laisser. Amen. Amen. Si tu bois 4 bouteilles de vin, tu peux commencer à diminuer 2. Petit à petit, ça va arriver à 1. Après avoir arrivé à 1, ça va arriver à 2 vins. Un jour, 2 vins, tu vas rester à 1 vin, 2 vins.
sont normales. Hein. Le pasteur le blanc, papa. Oh, ah, Evelyn. Le pasteur des Africains. Mais derrière, on est tous avec des choses. C'est vraiment malheureux. L'autre, j'avais dit, pasteur, pourquoi si tu bois, ils ont demandé, pourquoi tu n'as pas demandé un? La miracle. Regarde, c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais l'effort. Fais l'effort. J'insiste. Quand tu prépares ta vie à Jésus, Satan aussi, il a des choses qu'il prépare pour montrer à Jésus. Nous ne voulons pas être des faux frères. Qui peut accepter de dire, moi je suis faussé? Jamais. Mais on devient à des choses qu'on fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.